page 1009, aimer c'est tout donner. Surprenant de se trouver là. Hein. Alors si nous sommes là, c'est parce que ce que nous devrions célébrer en soirée, ce que nous allons célébrer ce soir, est particulier. La nuit qui approche est une nuit très particulière. Et nous sommes vraiment invités par cette célébration à vivre cette nuit de manière particulière. Cette nuit, dans le monde entier, les chrétiens
se rassemblent. Des chrétiens se souviennent dans la grande nuit où Jésus fut arrêté et condamné. Oui, bien sûr, même si l'autel a été dépouillé, à plus forte raison, nous allons aujourd'hui célébrer l'Eucharistie. Parce que, avant d'être arrêté, Jésus a réuni ses amis pour un dernier repas. Ce dernier soir, il leur a préparé un repas qu'ils ne devaient jamais oublier. C'est d'abord un repas de fête. Parce que pour Jésus et ses disciples, ce soir, c'est l'entrée vers la grande Pâque, vers la libération du peuple d'Israël. Et donc, partout, en Judée, en Galilée, dans toute la terre où Jésus a vécu, eh bien ce soir, on fête un grand repas. Mais pour les amis de Jésus, ce sera un repas particulier, parce que Jésus va leur exprimer qu'à travers ce qu'ils vont manger, qu'à travers ce pain et ce vin, eh bien, c'est lui qui se donne tout entier. Et ce repas, il leur a demandé de le refaire régulièrement, de se rassembler en son nom, pour faire mémoire de ce repas qu'il va partager avec eux, faire mémoire de lui. Et donc ce repas, eh bien c'est l'origine de toutes nos Eucharisties que nous célébrons chaque dimanche. Et d'ailleurs, si tu écoutes bien ce qui va se passer, c'est que tu écoutes bien les paroles qui vont être dites, les lectures qui vont être lues, eh bien, tu vas comprendre tout ce que nous célébrons et tout ce que nous fêtons à chaque Eucharistie. Merci. Je crois que nous aurons l'occasion de pouvoir échanger de nouveau à travers cette Eucharistie. Mais chaque Eucharistie commence justement par ce temps où, humblement, nous reconnaissons que nous sommes un peu des invités inopportuns. Le Seigneur nous appelle à venir partager avec lui le repas. Sincèrement, je ne sais pas comment vous réagiriez si vous aviez le pape ou Sœur Emmanuel de son vivant, ou Mère Teresa, ou tous les grands saints que nous connaissons. Et pourquoi pas, si vous aviez une apparition de Jésus, vous disant, viens, je t'invite à partager un repas avec moi, en tête à tête. Je pense que vous seriez très confus. Peut-être que vous diriez, mais je ne suis pas digne, Seigneur. En plus, je suis dans un habit de travail, dans un habit tout simple, je ne suis pas préparé. C'est tout le sens de la prière pénitentielle. De reconnaître en effet tout ce qui nous sépare de Dieu. Et en contrepartie, de reconnaître toute la miséricorde, la tendresse, l'amour de Dieu qui, lui, regarde surtout notre cœur. Seigneur Jésus, le serviteur fidèle, tu nous as aimés jusqu'à mourir. Seigneur, prends pitié, et nous chantons le Kyrie de la lettre de Saint Paul à la page 993. Thank you.
prends pitié de nous. Thank you.
appelle, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la Sainte Cène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a pu mettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de ton amour, la charité et la vie. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Un petit mot pour à la fois nos deux enfants, mais aussi pour chacun d'entre vous. Vous pouvez vous asseoir, Marie-Hélène. Oui, je m'en doutais un peu, c'était pour ça. Parce qu'en effet, donc voilà, pour vous donner la transition, Marie-Hélène va bientôt nous faire la lecture. Nous allons entendre des lectures. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vous invite vraiment, je ne vois pas Mademoiselle Noire. Je vous invite vraiment à bien écouter. Non, tu pourrais rester à côté, mais je ne te voyais pas. Ça m'embêtait de parler sans te voir. Voilà, écoutez bien ces lectures. Parce que ces lectures, elles sont issues d'abord d'un livre d'amour qu'on appelle le livre de la parole de Dieu. Vous savez, ce livre que vous avez justement chez vous, qu'on appelle « Ta parole est un trésor ». Et bien, à travers ces textes issus de ce livre, c'est Dieu qui vient parler à votre cœur. Bien sûr, vous allez l'entendre par vos oreilles, ça va sans doute passer par votre esprit, votre cerveau, mais c'est surtout votre cœur qui doit être en écoute. Et pendant l'homélie, je reviendrai un peu d'ailleurs sur ces textes, pour mieux les comprendre. Mais ces textes, ils nous disent quelque chose de ce que nous célébrons. Ces textes, ce soir en particulier, vont nous rappeler que la Pâque que Jésus a célébrée n'est pas la Pâque que nous célébrons. La Pâque que Jésus a célébrée, son repas de fête auquel il a invité ses disciples, c'était d'abord le passage de l'esclavage des Égyptiens à la liberté que Dieu avait promis à son peuple sous la conduite de Moïse. Alors nous allons écouter justement ce premier texte qui nous raconte ce qui s'est passé cette nuit-là. Et ensuite, je crois que je te redonnerai la parole. Rappelle-moi ton prénom, j'ai oublié. Marie. Et bien après, c'est Marie qui viendra me poser une question. Alors, vous savez, la question des enfants, on sait très bien, c'est toutes ces questions qu'on a tous au fond de notre cœur, mais que souvent on n'ose pas poser. Madame Marie-Hélène, je vous laisse la parole et le micro. Parler ainsi à toute la
Thank you.
Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Alors, comme je le disais tout à l'heure, et en m'adressant à Emmanuel et Marie en particulier, mais aussi à nous tous, est-ce que ce texte ne vous rappelle pas quelque chose ? Je suis sûr que vous aviez tous en tête la même réponse. Bien sûr. Exactement, bien sûr, c'est ça. Alors, est-ce que tu as remarqué les quatre gestes que Jésus fait sur le pain ? Bon, justement, 30 secondes, on va laisser un peu les adultes réfléchir aussi. Hein. Est-ce que vous avez en tête, comme ça, quels sont les quatre gestes que Jésus a fait sur le pain ? Ils ont permis d'écouter. Il le bénit. Il le rompit. Il le partage. Ben, il manque quand même la première action. Il le prend. Ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Je suis désolé, ils ont répondu avant toi. Enfin, avec en même temps que toi. Voilà. Alors, je trouve que c'est intéressant de se rappeler ces gestes-là. Parce que souvent on pose des questions sur cette prière eucharistique, cette longue prière. Même parfois, un jour, quelqu'un m'a dit « Elle est trop longue, cette prière, il faudrait la supprimer. » J'ai juste pu répondre, mais le problème, c'est que si je supprime cette grande prière qu'on a prise, la prière eucharistique, c'est plus la peine que je célèbre l'eucharistie. Alors, en effet, en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », Jésus signifie à ses disciples et aujourd'hui à nous que c'est toute sa personne, que c'est toute sa vie, le corps, le pain et le vin, devenant corps et sang du Christ. Ça signifie beaucoup pour des Juifs à travers
la présence de la personne à travers son sang, c'est toute sa vie qui est là. Et il veut justement, en nous donnant ce signe-là, nous montrer qu'il nous aime jusqu'au bout, jusqu'à nous donner ce qu'il a, si on peut dire, de plus cher, c'est-à-dire lui-même, sa vie, son corps. Mais nous savons bien qu'en nous donnant ainsi sa vie, il transforme, il transfigure aussi notre vie. Et il nous invite nous-mêmes à cette vie que lui, il possède. C'est tout le sens de la résurrection. Alors cette alliance, puisque c'est vraiment le signe de l'alliance que représente ce repas, il l'a manifesté à ses disciples une première fois, mais il nous manifeste aujourd'hui, à chaque Eucharistie, et bien à travers les paroles que le prêtre que je vais redire tout à l'heure, c'est le Christ qui vient nous dire « Je te donne ma vie, je remets ma vie entre tes mains. » Quand on reçoit le corps du Christ, et bien il faut vraiment se dire « Je reçois la vie de Dieu, je reçois ce qu'il a de plus cher, je reçois ce qui manifeste le plus son amour. » On sait très bien que c'est souvent à travers notre corps qu'on manifeste l'amour aux autres, comme maintenant ce temps de pandémie, mais on sait justement que c'est souvent ce qui nous manque de pouvoir manifester notre affection, notre amitié, notre amour aux autres, à travers notre corps, à travers nos gestes. Et bien là, en recevant le corps du Christ dans notre main, c'est vraiment un signe fort d'amour intime. Et à travers cela, et bien, c'est notre vie aussi que nous nous engageons à remettre dans les mains de Dieu. Alors, nous allons maintenant écouter un dernier texte de Saint Jean, et on va voir comment lui nous raconte ce dernier repas, de manière un peu différente. Marie, je te remercie. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu
tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, car on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Alors, comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vais faire très court. Je voudrais simplement vous inviter à fermer les yeux. À fermer les yeux pour vraiment comprendre cette scène avec ou sans S que je viens de lire. Les disciples ont été envoyés par Jésus pour préparer un repas de fête. D'ailleurs, c'est la Pâque qu'ils vont fêter. Donc vous imaginez une table qui est remplie de bons mets, même s'il y a aussi du pain sans levain. Mais en fait, l'agneau. On fête la libération. En tout cas, on est en joie. C'est vraiment un grand moment dans l'année. Vous imaginez comme un repas de noces, un mariage ou un grand anniversaire. Certains vont fêter, je crois, cette année leurs 95 ans. Je pense que ça va être une grande fête. Mais néanmoins, l'atmosphère est un peu tendue. Les invités, les disciples, ont entendu Jésus leur annoncer sa passion. Ils savent qu'en montant à Jérusalem, il vient au cœur même de ceux qui lui veulent tellement de mal qu'ils veulent le faire disparaître. Et Jésus vient, comme le racontait saint Paul, d'en rajouter une couche, si j'ose dire, d'une manière très solennelle. Voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Les disciples sentent qu'il y a quelque chose qui se joue. Comme je le disais tout à l'heure, ils sentent bien que ce repas sera un repas marquant. Et puis là, dans ce qu'on peut facilement imaginer, un grand silence, voilà Jésus qui enlève son vêtement, prend juste la tenue du serviteur, une serviette, une bassine, et va faire ce geste que seuls les esclaves faisaient, de nettoyer les pieds. Comme je le dis souvent, il faut bien imaginer les pieds des disciples qui marchaient dans la poussière avec des sandales pas toujours en très bon état elles-mêmes, donc souvent c'était aussi les pieds qui traînaient par terre, et les routes étaient mal goudronnées, et on peut penser qu'ils traînaient beaucoup de choses sur les routes. Donc laver les pieds, c'était vraiment la tâche la plus humiliante qui soit. En plus, ça voulait dire qu'on se mettait aux pieds de la personne. Autrement dit, à sa merci, elle pouvait très bien répondre, et sans doute que certains devaient s'y amuser, en donnant un petit coup de pied pour renverser celui ou celle qui lavait les pieds. Et Jésus, ce maître qu'ils ont suivi
celui qui a fait tant de guérisons, qui a multiplié les pains, qui a eu des paroles si fortes que tant de personnes se sont mises à sa suite, ce Jésus vient prendre cette dernière place. On peut penser que les disciples étaient vraiment perdus. Que fait-il? Pourquoi fait-il cela? Et quand Pierre, pardonnez-moi l'expression, la grande gueule, se permet d'élever la voix en disant non, jamais, Jésus lui fait comprendre qu'il doit se laisser faire. C'est sans doute le mot clé, se laisser faire. Accueillir ce que le Christ veut pour eux. Accueillir ce qui va se passer. Accueillir ce que le Christ va faire dans leur vie. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes appelés ainsi à accueillir. Je pense que ce qui est le plus beau et le plus fort dans ce trivium pascal, c'est que Jésus vient détruire toutes nos certitudes, vient détruire tout ce que l'on pourrait penser d'un Dieu tout-puissant. Il vient prendre la dernière place. Il vient nous rejoindre à la dernière place. Peut-être pour nous dire, tu es qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quelle que soit ta vie, quelle que soit ton opinion sur toi-même, tu es ma fille, mon fils bien-aimé. Tu es toute ma joie. En toi est mon amour. Et je serai toujours à tes côtés, même au plus profond des ravins de la mort. Là encore, je me mettrai à tes pieds pour t'aider à te relever. Mais aussi, il rajoute, toi aussi, fais cela. Fais cela en mémoire de moi. Autrement dit, fais cela pour manifester ma présence auprès de tes frères. Je viens te manifester mon amour, à toi de le manifester, à tous ceux qui t'entourent. Alors cette année, difficile de pouvoir faire le lavement des pieds. Et pourtant, je vais proposer un geste tiré des Évangiles. Pierre lui-même dit pas seulement les pieds, mais la tête et les mains. Eh bien, cette année, je vais laver les mains. Et en plus, je vais le faire comme le dit Lucette, avec du gel hydroalcoolique. Donc, je pense qu'il n'y a aucune possibilité de contamination. Mais le symbole, le signe, le sacrement reste. Et je vais inviter quelques-uns à venir, parce que je ne peux pas le faire à tous. Sinon, c'est sûr que je ne serai jamais rentré chez vous, ni même parti d'ici pour couvre-feu. Je vais faire à certains, dont certains sont courants, et d'autres pas. Je vais faire à certains qui représentent aussi un certain engagement dans la paroisse. Alors, que ceux qui sont engagés, mais que je ne vais pas appeler, ne m'en veulent pas, parce que ben, j'ai presque dire que je vous appelle quasiment tous. Parce que je ne vois pas beaucoup autour de moi de gens qui ne font pas quelque chose dans l'église, dans notre paroisse. Alors je vais inviter d'abord Monique à me rejoindre et Lucette. Mais bien sûr aussi Marie. Est-ce que Daniel peut venir jusqu'ici avec ses béquilles? Et oui. Brigitte, tu peux venir, Laurence, pour l'aider, parce que je vous invite aussi à venir. Est-ce que Marie-Claude
se sentirait de venir jusqu'à moi. Et puis comme ça fait quand même beaucoup de femmes, ben je vais inviter Patrice à nous rejoindre. Est-ce que Catherine veut bien aussi me rejoindre? Et Monsieur Audouard, qui supporte tout ce que je demande à son épouse avec beaucoup de patience, est-ce qu'il peut bien aussi venir? Alors après, j'aurais pu, comme je vous dis, en inviter plein d'autres. Je n'ai pas hésité parce que... Et puis Suzanne, ah oui, quand je vois Suzanne devant moi, si Suzanne, faut que tu viennes, quoi. Voilà. Alors, un certain nombre, je ne sais pas lesquels, font partie aussi de ce qu'on appelle l'EAP, l'équipe d'animation pastorale. C'est le conseil du curé. Alors, je vais quand même vous dire un tout petit dernier mot. Parce que je vais essayer de le faire sans trop d'émotion. Mais, comme vous le savez peut-être ou pas, mais en tout cas là, je vous l'annonce, c'est la dernière fois que je célèbre la vigile de Pâques avec vous. Puisque je quitte la paroisse en juillet. Je vous présenterai bientôt, non pas mon successeur, mais un prêtre qui aura aussi la charge de votre paroisse en même temps que la sienne. Mais en tout cas, voilà, ce sont des gens sur lesquels je me suis beaucoup appuyé durant ces 9 années, et encore maintenant. Donc c'est aussi des raisons pour lesquelles ça me tenait à cœur de leur laver les mains avec du gel. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi, ce sera plus simple et on va gagner un peu de temps. Voilà, à travers vous, c'est toute la paroisse qui est signe de la présence de Dieu dans notre vie. Le Christ a lavé les pieds à ses disciples en leur disant « Faites de même, eh bien, même si je n'ai pas aujourd'hui le geste, le Seigneur le fait pour vous, le fait avec vous, mais aussi compte sur vous pour refaire ce geste, autrement dit, vous mettre au service de tous ceux qui vous entourent, non pas par humanité, si je veux dire, mais par foi, par désir de transmettre en actes et en parole l'amour du Christ mort et ressuscité pour nous. Nous allons maintenant nous lever pour porter justement notre monde, porter notre monde dans notre prière. C'est sans doute notre première manière de nous mettre au service de notre monde. Toi qui es lumière, toi qui es la roue, mais dans nos ténèbres,
appelés aussi à chercher, ainsi que nous tous baptisés, à te suivre de plus près chaque jour de notre vie. Seigneur, nous te prions. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Nous t'avons vu, Seigneur, agenouillé devant l'homme pécheur, en serviteur de notre pauvre humanité. Nous te prions pour les bénévoles qui, discrètement, mais avec constance, tissent un lien social dans les associations, les maisons de retraite, dans les paroisses, auprès de jeunes ou moins jeunes en détresse. Aide tout homme à poser chaque jour des gestes de partage et de fraternité. Seigneur, nous te prions. Toi qui es Il va invoquer l'Esprit Saint
sur vous, assemblée réunie, sur vous qui êtes l'Église. L'Église, ce n'est pas tant les bâtiments autour de nous, c'est ceux qui sont là, ceux qui sont présents. Et il invoque l'Esprit Saint parce que vous devenez vous aussi corps du Christ. Il m'arrive de rencontrer des gens qui me disent « je ne peux pas communier pour plein de raisons différentes ». Et souvent je leur dis « eh bien si, vous communiez ». Parce que en étant présent à l'Eucharistie, vous communiez au corps du Christ qu'est l'assemblée rassemblée. Vous savez, l'Église, la traduction c'est « assemblée ». Alors justement, le prêtre prie pour que la paroisse, que la communauté paroissiale rassemblée devienne corps du Christ, et puis ensuite il prie en effet justement pour l'Église dans son ensemble, le pape, notre évêque. Il prie pour nos défunts, vous le savez bien, vous qui donnez souvent des intentions de messe, mais il prie aussi pour les vivants. Et je trouve qu'on oublie trop souvent de donner des intentions de messe pour les vivants. Souvent quand les gens disent « faudrait prier pour un tel et un tel », souvent je leur dis « mais pourquoi vous ne donnez pas une intention de messe pour prier pour telle personne ?» Oui, mais on ne veut pas que ça sache, non, on ne saura pas forcément. Il y a un terme facile, intention particulière. Personne ne sait ce que c'est, mais la personne sait qu'on a prié pour ses parents, ses enfants, et ainsi de suite. Et puis on se prie bien sûr pour nous-mêmes, pour que nous soyons de fidèles ouvriers à la moisson. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te représentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus.
Et donne-nous à nous aussi un jour d'être
avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les saints du ciel, Saint Jean Bosco, Saint Irénée, tous ensemble dans le Christ, nous pouvons alors chanter ta gloire. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père, le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Miserere nobis.
Père et du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Donc quelques annonces rapidement, même si je sais que vous avez tous coché sur votre attestation pour raison de culte. Normalement, il paraît que ça fait partie maintenant de l'attestation pour des raisons cultuelles. Donc, en annonce, eh bien tout simplement maintenant, en annonce, c'est que demain nous retrouvons ici à 15h pour faire un chemin de croix. Il y aura deux possibilités, même trois on pourrait dire. Soit pour ceux qui peuvent marcher, il y a un chemin de croix sur 1,5 km, tout plat, mais voilà, qui est proposé. Un autre encore plus court, et puis pour ceux vraiment qui ne peuvent pas, ben, vous pourrez rester ici. Et il y aura aussi une proposition de chemin de croix. Et de toute façon, nous commencerons ensemble le chemin de croix dans cette église. Et nous terminerons ensemble ici, puisque suivra ensuite l'office de la vénération de la croix. Et puis samedi, 17h, vigile de Pâques adaptée. On ne va pas faire la grande vigile, puisqu'on n'aura pas assez de temps. Mais on aura voilà, une petite vigile adaptée. Et on sera dans l'église de Saint-Germain-Laval cette fois-ci. Par contre, vous pourrez suivre à partir de 21h sur Facebook et autres, eh bien, les vigiles de la paroisse qu'on fera quasiment en privé. Et puis dimanche, deux célébrations de Pâques pour que vous puissiez vous répartir. L'une à Paulier et l'autre, à l'opposé, si j'ose dire, de la paroisse, à Saint-Martin-la-Sûreté. Voilà, deux célébrations avec deux célébrants, bien entendu, différents. 10h30, oui. Voilà. Notre célébration s'arrête là. Pas d'envoi, pas de chant. Nous allons maintenant, moi je vais déposer sur l'autel le corps du Christ et nous pourrons, si nous le désirons, continuer ce temps de prière, veiller avec le Christ, veiller et prier comme il a dit à ses disciples à Gethsémani. Pas forcément toute la nuit, je pense que nous arriverons vers 20h30. Donc ne revenez pas à 21h ou à 22h, vous trouverez les portes fermées, contrairement aux années précédentes. Voilà, nous allons continuer jusqu'à 20h30, ce temps de veille avec le Christ, on va aller jusqu'à la nuit tombée. Pour clore cette prière, Père, Jésus ton Fils s'est dépouillé de tout. Il est entré dans la longue nuit du doute et de la peur. Il a tout offert afin de veiller sur nous toujours. Merci, notre Père, pour Jésus, notre Père. Grâce à lui, nous avons appris que tout plein de pain s'apaise dans le partage et que tout plein d'amour s'apaise dans le dépouillement de soi. Merci. Nous avons appris que le chemin de croix nous
pas abandonner ton fils. Fais-nous veiller avec lui, tandis qu'il entre en agonie et qu'il souffre pour nous, lui qui règne pour les siècles des siècles. Du pape Benoît XVI. Arrivé au domaine du mont des Oliviers, cette nuit-là encore, Jésus se prépare à sa prière personnelle. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de nouveau. Il semble qu'il ne veut pas rester seul. Il veut qu'au moins trois de ses disciples ne soient pas loin, dans une relation plus étroite avec lui. Il s'agit là d'une proximité spatiale, d'une demande de solidarité au moment où ils sont approchés de sa mort. Mais c'est surtout une proximité dans la prière, pour exprimer d'une certaine manière qu'ils sont en syntonie avec lui au moment où ils s'apprêtent à accomplir jusqu'au bout la volonté du Père. Et c'est une invitation faite à chaque disciple que nous sommes à le suivre sur le chemin de la croix. Je vous invite avant à prendre vos livres à la page 251. On écoutera, nous pourrons chanter ensemble le premier couplet et ensuite nous prendrons un temps de silence où nous pouvons justement laisser résonner aussi ces paroles en nous.